alors que Sainte-Anne de la Pocatière est encore un petit village composé d'environ 3000 habitants, l'évêque du lieu, Monseigneur Bruno Desrochers, exprime à Madame Thomas Tremblay son vif désir d'avoir des contemplatives dans son diocèse. Celle-ci répondit aussitôt, « N'aimeriez-vous pas avoir des sœurs de la Visitation? J'ai une sœur dans cette communauté à Lévis. » Emmanuelle Morin sera la mère fondatrice. Lui seront adjointes 5 compagnes de Lévis, dont les sœurs Marie-Cécile Aymon et Gertrude Hott, encore vivantes, ainsi que 2 sœurs d'Ottawa. Voilà le grand jour arrivé et la sortie solennelle de clôture. Les sœurs s'agenouillent pour recevoir la première bénédiction par Mère Louise-Emmanuelle Morin. Comme tout départ, c'est un départ un peu douloureux pour des cœurs unis, mais la joie sera d'autant plus grande à l'arrivée à la Pocatière. L'accueil réservé aux sœurs sera chaleureux au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, où s'imposa une première halte pour confier et placer la fondation sous la protection de la Vierge. Nous voici à la maison Richard qui deviendra monastère provisoire, en attendant la construction du nouveau monastère. Sœur Marie-Cécile, ici avec une grande amie et aide de Lévis, sera dès le départ sœur externe. L'aménagement de la maison sera simple et efficace. La plus grande pièce servira aussi bien de réfectoire que de salle communautaire et de salle de récréation. La paroisse n'oubliera pas ce petit monastère sur la route de procession du Saint-Sacrement qui trouvera un reposoir. Fait marquant, le 7 mars 1960, l'arrivée d'une magnifique statue de Notre-Dame de Fatima avec les 3 enfants bergers par un bienfaiteur. Elle trouvera sa place provisoire dans le bureau de la supérieure qui servira aussi, à l'occasion, de sacristie pour y déposer le tabernacle le vendredi saint. En septembre 1960, Sœur Marguerite Agnès devra retourner à Ottawa à cause de sa santé fléchissante. Elle sera cependant remplacée par Sœur Marie-Gabrielle Sasseville, qui voit son désir ainsi réalisé de faire partie de les saints fondateurs qui quittaient Lévis pour la Pocatière. Monseigneur Desrochers se fera toujours très proche de la communauté. Pendant ses vacances où il pêcha la truite, il n'hésitera pas à prêter lui-même un délicieux repas qu'il fera parvenir à l'heure du souper pour la plus grande joie des sœurs. La charpente est levée. Monseigneur Jean-Marie Fortier va bénir la pierre angulaire du monastère en construction en présence d'une nombreuse foule de paroissiens et d'amis. Le 11 octobre, la cloche sera installée et pour l'occasion, Mère Louise-Emmanuelle alla elle-même étrenner la cloche, prolongeant le branle quelques minutes en l'honneur de l'ouverture du Concile Vatican II.
Le grand jour est arrivé. C'est le départ définitif de la maison Richard. Monseigneur le clerc amena l'eau divine, le Saint-Sacrement, à son emplacement définitif. Pendant ce temps, les dames auxiliaires de Sainte-Anne avaient préparé un souper chaud et même sont montées au dortoir pour faire les lits des sœurs. Toutes les sœurs étaient épuisées et grippées. Durant 3 semaines encore, elles ont monté et descendu les escaliers, portant des tuiles pour hâter le travail des ouvriers. Mais grâce à Dieu, tout était fini pour la semaine sainte. Immense joie pour les 8 sœurs fondatrices, ici devant la grille du cœur. S'il y avait quelqu'un qui avait hâte de voir ce moment, c'est bien Marie-Hélène Pelletier, qui après 3 années d'attente, pouvait enfin commencer son postulat. La voici dans l'habit traditionnel de postulante. Les derniers travaux étant faits, on pourra procéder à la bénédiction solennelle de tous les lieux, qui sera faite par Monseigneur de Rocher. Finalité, Monseigneur de Rocher prononce la clôture papale. À l'arrière-plan, Sœur Marie-Cécile, sœur externe. Un autre grand jour s'annonce en cette première année de fondation. La prise d'habit, le 16 octobre, de Sœur Marie-Hélène Pelletier, qui à cette époque se faisait encore en robe de mariée. Les années passent, on aménage le terrain et on s'occupe plus spécialement de Saint-Joseph, beaucoup aimé et vénéré au sein de la Visitation et à qui la communauté confie tous les besoins matériels. En juin 1965, une nouvelle supérieure est élue. Ce sera Sœur Marie-Françoise de Sales, ici tout à droite. Tandis que Mère Louise Emmanuelle, à sa grande surprise, libre de toute charge, va être élue supérieure à Lévis. Élue tour à tour Mère supérieure à Lévis et à la Pocatière, les réélections lui faisaient dire plaisamment « On dirait que la supériorité est collée après moi, plus moyen de s'en défaire ». Les saisons passent, avec leur joie et leur fête. Pendant ce temps, l'intérieur est aménagé, décoré. La statue de Notre-Dame de Fatima trouve sa place définitive. Oh,
Le 24 juin 1973, la première fois dans la vie de Cloîtré, il y aura la procession du Saint-Sacrement en plein air à l'intérieur de la clôture. Un humble reposoir sera dressé devant la statue du Sacré-Cœur au cimetière. Sacré-Cœur tellement cher à l'ordre de la Visitation, puisque présent dès les débuts de la fondation et dont la propagation de la dévotion fut confiée par une apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, dont nous avons en 1990 fêté le 300e anniversaire de sa mort. En 1976, la communauté fêtera les noces d'or de Mère Louise Emmanuelle. Elle aura assuré pendant plusieurs années la fonction de supérieure, ni par goût, ni par désir, mais à l'exemple du Christ dans l'amour et l'obéissance. Aussi, à chaque début de son supériorat, elle disait « La très sainte Vierge sera votre vraie mère, car ce n'est pas moi qui vous gouvernerai, c'est elle. Je vous abandonne donc à votre bonne mère du ciel. » Le 28 juin 1981, elle nous quittera définitivement pour retrouver son bien-aimé. La vie continue, et déjà nous retrouvons les sœurs fondatrices fêtant la 25e année de fondation. Ce sera Mère Marie-Pauline qui ouvrira les festivités. En 1992, en tant que mère fédérale, elle aura la joie de participer à une rencontre en France, à Annecy, et pourra même aller à Rome. Qui aurait pu penser cela 50 ans avant? Oui, le monde extérieur a bien changé, et cela se répercutera aussi dans la vie du monastère. Il y aura des journées portes ouvertes pour des jeunes. Mais le monde s'intéresse encore bien autrement et de plus près aux sœurs cloîtrées. À votre boîte aux questions. J'ai reçu par la poste une question qui me demande aujourd'hui une émission tout à fait spéciale. Je vous lis la question. J'aimerais savoir quelle mission ont les sœurs qui vivent cloîtrées à la Pocatière, leur quotidien et leur travail. Est-ce qu'on peut les visiter? Dans quel ordre cette section se situe dans l'organigramme religieux? Voilà une question fort étendue. Et pour pouvoir y donner une réponse adéquate, j'ai jugé qu'il nous fallait vous amener à visiter avec nous le monastère des Visitandines. Bonjour.
C'est Sœur Marie-Pauline qui nous accueille. Vous êtes bienvenue chez nous. Merci. Vous, votre fonction, c'est quoi ici? C'est portière. Je suis téléphoniste aussi en même temps et j'accueille les personnes, comme vous voyez bien. Je viens tout en l'air d'accueillir le plombier qui vient réparer les éviers, comme il fait, j'imagine, dans toute maison privée. Ça fait combien de temps? Une autre belle surprise sera la visite de nos sœurs des États-Unis. Elles renouent ainsi un lien très étroit qui existe depuis la première fondation au Québec, réalisée grâce à leur soutien. Entre-temps, le visage de la communauté a bien changé. Elle a pu accueillir en son sein les beaux fruits de cette nouvelle implantation, qui sont les professions solennelles de Sœur Marie-Hélène Pelletier, Sœur Marie-Michèle Beaulieu, Sœur Blanche-Marie Cochon, Sœur Anne-Marguerite de Fossé, et Sœur Suzanne-Christine Proux. Mais un temps de sécheresse vient, où les vocations se font rares. La petite communauté entrevoit un avenir plutôt sombre. Mais Dieu veillant, une greffe providentielle viendra vivifier cette branche de la visitation de la Pocatière. En 2003, on exige des modifications majeures au monastère de Lévis pour le conformer aux nouvelles normes régissant les édifices publics. Devant les dépenses exorbitantes que cela représente, la communauté se voit dans l'obligation de vendre l'édifice. La décision ne se prend pas sans une grande douleur, car il faut envisager, avec le départ, la séparation des 15 religieuses formant la communauté. Mais cette épreuve n'entame ni leur foi ni leur espérance. Ainsi, le 29 septembre 2004, un groupe de 7 religieuses quitte le monastère de Lévis. Mère Marie-Hélène Pelletier et ses 4 filles les accueillent dans l'enthousiasme. La petite communauté de la Pocatière sent comme une sève nouvelle surgir en elle. Mars, la communauté fête Mère Marie-Hélène. On lui demande « Que souhaitez-vous pour votre fête ?» Une stagiaire. Le même soir, un téléphone. Carole demande de pouvoir faire un stage. Et cela va déclencher une véritable avalanche. 5 postulantes s'ajoutent à la communauté. Il devient évident que le Seigneur veut que cette communauté grandisse et s'épanouisse. Saint-Joseph contresigne. Et la Providence ouvre grandement les portes en donnant la possibilité d'agrandir l'espace clôturé, en acquérant un terrain qui comprend même un petit lac
qu'on pouvait déjà apercevoir sur une photo prise au début de la fondation. Le réaménagement du terrain se fait vite. La clôture doit céder pour être posée plus loin. Arbres et broussailles doivent également être enlevés et céder la place. Mars 2007, la communauté vit une épreuve particulièrement douloureuse, le décès de Mère Marie-Hélène Pelletier.
Pour élire une nouvelle supérieure, on aura recours à la visitation d'Ottawa. Ainsi, Mère Marguerite Charette, qui est aussi fédérale canadienne, devient supérieure de la communauté de la Pocatière. Une de ses premières fonctions sera de recevoir la prise d'habit de Sœur Anita le 26 mars, juste le jour avant que débute la nouvelle construction. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère.
Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Te voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour me rend Si le Seigneur ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Oui, l'extérieur a changé. Des adaptations aux nécessités du temps actuel ont été nécessaires, tout en gardant l'essence même de la vocation contemplative visitandine. Être proche du Sacré-Cœur de Jésus pour appeler ses grâces sur le monde. Bien des générations nous ont précédés et bâti cette maison. Nous essayons de plonger profondément nos racines dans ce qui a traversé les siècles et prions spécialement nos saints fondateurs de nous garder dans cet esprit qui les a fait quitter résolument les sentiers battus pour viser à l'essentiel, de vivre une authentique vie religieuse et de tout faire par amour, rien par force.